Young Thug est l'un des rappeurs les plus influents de notre génération. Sa musique, son flow se démarque clairement des autres rappeurs. C'est une légende du game. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est derrière les barreaux. Oui, il est au Hebs. Young Thug, de son vrai nom Jeffrey Lamar Williams, né le 16 août 1991, Young Thug vient de la zone 3 d'Atlanta, du quartier Jones Borough, South Project. C'est le 9e enfant de sa famille. Il va s'impliquer dans la rue dès son plus jeune âge. Quand je te dis son plus jeune âge, c'est 8 ans. Il fait partie d'un gang, les Bloods, de Cleveland Avenue, l'avenue principale de la zone 3 d'Atlanta, qui s'appelle aussi les Rocks, Raised on Cleveland. Young Thug était l'un des leaders, la grosse tête de son groupe. Il va fonder YSL, qui est aujourd'hui Young Stoner Life, qui est aujourd'hui son label. Même si Young Thug et ses rappeurs affirment que YSL est juste un label, la police d'Atlanta classifie le label comme un gang. Au même moment, un autre rappeur de la zone 3 commence à buzzer. Il se nomme YFN Lucci. Il vient de Summer Hill, un quartier proche de celui de Young Thug. Il s'implique lui aussi dans la rue dès son plus jeune âge pour faire de l'argent. YFN Lucci fait partie d'un gang, mais lui et ses gars vont créer leur propre gang. YFN, Young Fly Nigga. Il affirme que c'est seulement un groupe de musique, mais la police d'Atlanta le qualifie comme un gang. Son grand frère et un autre mec qui se nomme Big Nut vont l'influencer à faire du rap. Retenez bien ce prénom, Big Nut, parce qu'il va nous servir pour la suite de la vidéo. Maintenant que vous savez qu'il y a deux gangs, le gang de Young Thug, YSL, et le gang de YFN Lucci, YFN, c'est très important car ça va permettre de comprendre la suite de cette vidéo. Au début, entre ces deux rappeurs, Young Thug et YFN Lucci, il n'y avait pas d'embrouille et tout était normal. Mais en janvier 2015, Big Nut sera tué dans un drive-by. C'était une grosse tête d'Atlanta et il était très respecté. Et il faut savoir, c'est grâce à lui que YFN Lucci a commencé le rap. Big Nut, ce monsieur, il a aidé YFN Lucci dans sa carrière. Quand je vous ai dit, Big Nut s'est fait tuer. Certaines rumeurs affirment que c'est YSL qui serait impliqué dans sa mort. Personne ne savait jusqu'à maintenant, c'était juste des suppositions. Et cette année, on a appris que la voiture utilisée lors du drive-by a été louée par Young Thug. Et la mort de Big Nut, à l'époque, avait provoqué plus de 4 autres meurtres en guise de vengeance. Et la ville était divisée en deux parties. Un clan YSL, un clan YFN. Que ça soit sur internet, que ça soit dans leur texte, vont se clasher. Les deux rappeurs vont se clasher. Young Thug et YFN Lucci. Et même dans leur gang, il y aura une guerre entre YSL et YFN. Les deux gangs s'embrouillent, que ça soit fusillade, des embrouilles. Moi, je vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux plus de détails par rapport à ces embrouilles, tu peux aller en description. J'ai mis un lien qui te détaille bien les embrouilles qu'il y a eu entre les deux gangs. La tension était tellement haute que toute la zone 3 d'Atlanta se préparait à une grosse guerre. Les fusillades s'enchaînaient, notamment au Lenox Mall d'Atlanta, mais l'arrestation de YFN Lucci a tout arrêté. Il a été arrêté pour une fusillade, un mandat d'arrêt a été émis en janvier 2020 et Lucci s'est rendu. Si tu veux plus de détails par rapport à cette arrestation, il y a un lien dans la description qui détaille bien cette affaire. Il a été chargé pour meurtre, tentative de meurtre, agression, mais il a été libéré après avoir payé une caution de $500 000. Mais le rappeur est vite re-rentré car il est parti dans un strip club et la même nuit où il a été dans ce strip club, une fusillade a eu lieu et il est retourné en prison au plus vite. Il s'est ensuite retrouvé dans une affaire avec la loi RICO avec des Bloods de Atlanta et Miami. Depuis janvier 2020, le beef est au point mort. Lucci n'est pas prêt de sortir, son jugement va prendre du temps, à part s'il balance. Et depuis l'arrestation de YFN Lucci, Young Thug a obtenu 2 albums et 2 morceaux numéro 1. Il était le gagnant de ce clash. Son label est l'un des plus gros labels indépendants fondés par un rappeur. Ses rappeurs font de très bons scores. Gunna par exemple. Gunna, lui, il fait des masterclass. Regardez. Non, mais vraiment. Non, c'est un truc que je vous dis ça. Il fait des masterclass. Young Thug et les rappeurs de son label ont été arrêtés, même Gunna Miskin. Et tout ça ont été arrêtés par l'état de Géorgie, avec l'utilisation de la loi RICO. Qu'est-ce qu'est la loi RICO? La loi RICO, c'est lorsqu'un coupable est en affiliation avec un gang ou une entreprise criminelle. En anglais, la loi RICO se nomme Racketeer Influenced and Corrupt Organization. Excusez-moi pour mon anglais. Et en fait, tout sera utilisé contre lui, que ce soit dans les clips musicaux ou jusqu'aux signes apparents de gang, peuvent être utilisés comme preuve.
Sur internet, t'as pu voir qu'il était condamné pour 56 charges, alors que Young Thug a seulement 2 charges contre lui. Conspiration de violence de la loi RICO et participation aux activités d'un gang. Et Gunna, lui, a seulement la conspiration de violence de la loi RICO. Les preuves sur lesquelles sont basés les faits d'Euro sont des preuves remontant jusqu'à 2013. Ils utilisent des photos sur les réseaux sociaux, des lyrics, des vidéos, des clips. Young Thug est aussi condamné pour avoir violé la loi OCGA. Il faut savoir que les conséquences de cette loi peuvent amener à 5 ans, 20 ans de prison. La loi OCGA, c'est une loi qui permet de dire que toutes les personnes haut gradées d'un gang, ou qui est impliquée indirectement ou directement dans une activité criminelle, peuvent être condamnées parce qu'ils étaient managers ou leaders ou chefs de gang de cette activité. Et c'est pour cela que Young Thug est en prison. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin. J'espère que ce type de vidéo vous plaît et n'hésite pas à commenter et à partager.